Le nombre de gens gentils à qui ça arrive, bah pourtant j'ai fait les choses bien. Ouais, mais toutes les meufs qui trompent leur mec, je peux te garantir, dans la majorité des cas, leur mec il est gentil, hein. C'est pas un bad boy leur mec. Pourquoi elles trompent pas les bad boys? Pourquoi elles sont trompées par les bad boys et elles les trompent pas? Pourquoi elles trompent que les mecs gentils? Parce qu'ils font des compromis. Parce qu'ils leur montrent qu'ils savent pas maintenir des décisions. Hey yo, ça. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que sur une photo, on arrive à voir le charisme de quelqu'un? Et en fait, c'est parce que j'ai compris que ce que les femmes appellent le charme, le charisme, etc., l'énergie, en fait, c'est pas quelque chose de non palpable, c'est pas quelque chose qui t'est donné à la naissance, tu l'as autour de toi et tu vois pas ce que c'est, tu sais pas ce que c'est. C'est en fait juste une suite d'attitudes logiques. C'est pour ça que sur une photo, t'arrives à savoir si le mec il a la classe, si le mec il a une vie intéressante, palpitante, s'il a de l'énergie, si à côté de toi il va avoir grave de la confiance, tu peux être surpris. Mais justement, si tu peux être surpris, c'est parce que sa physiologie, sa manière de se tenir physiquement, elle t'a induit en erreur. L'autre jour, j'étais au téléphone avec un ami à moi qui est en train de lancer un business à l'étranger et il me parlait de ce business-là, il me parlait des opportunités, il me parlait d'un mec qu'il avait sur place pour potentiellement gérer ce business. Mais du coup, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, je lui dis, franchement, au vu de ce que tu me dis, tout a l'air aligné, tout a l'air parfait, tu te sens bien, tu penses que tout se passe bien. En plus, t'as un mec sur place pour gérer le truc. Moi, je te dirais, let's go, tu vois. Et il m'a dit, oui, mais il y a un problème avec ce mec sur place. C'est que si moi, je travaillais pour lui et que j'avais envie de le douiller, ce serait pas un frein pour moi, ce mec-là. Donc, c'est-à-dire que ça peut paraître anodin, mais évidemment, j'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. J'ai tout de suite visualisé une personne. Ok, ce mec-là, admettons, je travaille pour lui et ce mec-là, si j'ai envie de baiser l'entreprise, lui, il va pas me gêner. Pourquoi? Parce qu'il manque de charisme. Il ne m'inspire pas le respect. Il ne m'inspire pas la peur. Il ne me donne pas la sensation que si il vaut mieux que je sois dans son camp que contre lui. Tu vois? Et donc, c'est-à-dire que, pourquoi je parle de cette situation? Parce que le charisme, c'est quelque chose de palpable, de tangible, qui a des effets sur ta vie réelle. C'est-à-dire, c'est pas juste est-ce que je vais baiser des meufs ou pas baiser des meufs. Déjà, on sait que forcément, ça a un énorme impact là-dessus. Mais en plus, là, ce mec-là, simplement parce qu'il n'a pas les astuces que je vais vous donner aujourd'hui, il vient de rater une énorme opportunité financière potentiellement. La possibilité d'être le gérant d'une multinationale directement, qui vient de lui passer sous le nez juste parce qu'il n'a pas l'énergie, le charisme, et parce qu'il n'inspire pas le respect qu'on aurait voulu qu'il inspire en tant que gérant. Le premier problème que tu constates quand tu es quelqu'un qui manque de charisme ou qui manque d'énergie masculine, c'est que tu n'obtiens pas ce que tu veux ni de la vie, ni des gens. Et ça, c'est un gros problème, parce que c'est-à-dire que tu te dis, j'espère que je vais avoir ça, j'aimerais avoir cette augmentation, j'aimerais avoir ce job, j'aimerais travailler dans tel environnement, j'aimerais avoir telle femme, etc. Mais ça t'arrive pas. T'as l'impression que ça t'arrive jamais. T'as l'impression que t'as pas de chance. En fait, la réalité, c'est parce que t'es pas quelqu'un qui bouscule les portes. T'es pas quelqu'un qui, quand il arrive dans une pièce, tout tombe, tout se casse, tout s'ouvre. Toutes les portes, elles s'ouvrent devant toi pour te donner accès à cette opportunité, parce que le charisme, c'est toujours une personne charismatique, c'est toujours une personne avec qui tu as envie de travailler. C'est toujours une personne à qui tu as envie de donner une opportunité parce que le charisme, c'est ce qui inspire le maximum de niveau de confiance. Parce qu'on se dit que si cette personne a autant confiance en elle, c'est parce qu'elle a dû avoir des preuves et des preuves et des preuves dans sa vie qu'elle gère la situation. Et donc en fait, le fait que tu aies ce charisme-là, que tu aies cette énergie-là, ça va faire que les gens vont confier ces situations-là. Je vais prendre une citation que j'ai entendue il n'y a pas longtemps pour t'expliquer et te donner une idée de comment est-ce que tu peux contourner ça, comment est-ce que tu peux régler ce problème plutôt, pas contourner, affronter ce problème-là. Je vais citer Andrew Tate dans une vidéo que j'avais vue de lui il y a quelques mois, une compilation ou je sais pas quoi, et il disait « Si tu penses que tu n'es pas chanceux, la raison pour laquelle tu penses que tu n'es pas chanceux, c'est parce que tu rends Dieu mécontent de ton attitude. » Si tu commences à être grand, à agir dans la grandeur, si tu commences à montrer à Dieu la grandeur de sa propre création, d'un coup tu deviendras chanceux et tu seras émerveillé d'à quel point tu vas devenir chanceux. Et en fait c'est hyper vrai, peu importe que tu crois en Dieu, que tu crois pas en Dieu, que tu sois spirituel ou religieux ou que tu sois athée, peu importe. La réalité elle est là, elle est que quand tu crées des mouvements, quand tu fais des moves, quand tu fais des choses, quand tu bouscules les choses autour de toi, et ben les choses elles vont juste s'aligner pour que ça fonctionne bien. Pas forcément que ça fonctionne bien d'une manière facile. Fonctionner bien, ça veut pas dire que c'est facile. Mais simplement, tu vas avoir accès à plus d'opportunités. Tu vas avoir accès à des situations comme ça, de relations sociales, ou comme t'es charismatique, si on a un problème, on va te poser la question. Et toi, ça peut t'inspirer à trouver des solutions, puisque créer un business, par exemple, c'est simplement répondre aux problèmes des autres, tu vois. Et si t'inspires
La confiance, les gens peuvent te parler de leurs problèmes, pas pour te raconter leur vie de merde, juste pour que tu sois leur poubelle à problèmes, mais simplement parce qu'ils se disent peut-être que ce mec-là il a la solution ou il connaît quelqu'un qui a la solution. Et à chaque fois que quelqu'un te donne un problème, eh ben toi ça te donne une nouvelle idée de business. Donc ça va t'apprendre à affûter ton esprit en fait. C'est-à-dire, fais des choses qui montrent à Dieu la grandeur de sa propre réalisation, de sa propre création. Sa propre création étant nous les êtres humains. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Juste fais les choses de manière grande. Peu importe que tu sois, je sais pas, passionné d'un sport, passionné de dessin, passionné de quoi que ce soit. Moi, ce que je te conseille, c'est prends quelque chose qui t'intéresse déjà ou dans lequel t'es déjà passionné. Si t'es passionné par rien et que tu vas juste à la salle ou quoi que ce soit, si tu vas pas à la salle et que t'es passionné par rien, va à la salle déjà. Ou va faire du sport, peu importe quel sport de base qui t'apprend à te battre ou qui t'apprend à être musclé ou à être plus beau ou à te développer physiquement. On parlera de l'intellectuel après parce qu'en fait, le fait de se développer physiquement, ça a un énorme impact intellectuel. Mais déjà, fais ça et défonce-toi. Va pas juste à la salle vite fait. Quand tu vas à la salle, mets de la musique classique pendant 2 heures, tu coupes les notifications sur ton téléphone et tu dis chaque chose, chaque exercice que je vais le faire intensément. Et là, tu montres à Dieu la grandeur de sa propre création. Tu crées des connexions neuronales qui te font te dire à toi-même, quand je fais quelque chose, je le fais sale. Quand je fais quelque chose, je le fais bien. Tu montres à Dieu la grandeur de sa propre création. Et là, déjà, les portes, elles vont s'ouvrir à toi différemment. On va se dire, ce mec-là, ce qu'il fait, il le fait avec confiance parce que tu vas te mettre à avoir une posture physique différente. Rentre dans une pièce comme si tu possédais le lieu. Je sais pas si tu as déjà entendu cette phrase. Rentre dans ce bureau comme si tu possédais le bâtiment, tu vois. Aie cette attitude. Et en fait, pour avoir cette attitude, il faut que tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire des choses à fond. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est signe qu'il y a un problème avec ton charisme, c'est que les gens, quand ils parlent de toi, ils disent que tu es gentil. Pire, ils disent que tu es pas méchant. Est-ce que tu sens la condescendance dans « lui, il est pas méchant, lui, ça va, il est pas méchant ». Qu'est-ce que tu penses d'un tel ? Oh, il est pas méchant. En fait, ça me fait penser un petit peu à la citation de Jordan Peterson. Je sais pas si c'est lui qui l'a créé ou s'il la reprenait, mais où il disait « Il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de guerre. Apprends à devenir un monstre et ensuite apprends à le contrôler. Il n'y a aucune noblesse à être gentil si t'as pas le choix d'être gentil. » Je sais pas si tu comprends la profondeur de ça. Il n'y a aucune noblesse à être gentil si t'as pas le choix d'être gentil. Quand on dit que t'es pas méchant, On dit pas que t'es quelqu'un d'aimable, on dit pas que t'es charismatique, on dit pas que t'es agréable à être là, que t'es positif. On dit que t'es pas capable d'être méchant, que t'es pas méchant. T'es pas méchant. Et toi, tu te dis dans ta tête, bon bah comme méchant, c'est un défaut. Je suis pas méchant, c'est quelque chose de positif, vu que c'est l'inverse d'un défaut. Je n'ai pas ce défaut-là. Mais la réalité, c'est que c'est un défaut si tu le fais pour rien. Mais quand t'as cette capacité à être agressif, ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose qui se passe devant toi, s'il y a un problème, si t'as des amis qui commencent à se faire tabasser, ou si ta femme, elle commence à se faire agresser dans la rue, ou s'il y a des gens que tu connais pas qui se font agresser dans la rue injustement, t'es pas assez méchant pour régler la situation. Si t'es pas capable d'être méchant, tu vas rien pouvoir faire. Tu vas pas pouvoir sauver les gens. Donc t'es pas un homme, en fait. Le principal rôle de l'homme, je veux dire, si t'as ce cadeau de la force physique qui est supérieure à la femme, il faut en faire quelque chose. C'est parce qu'on te donne ce don-là, tu dois en faire quelque chose. Si t'en fais rien, t'es en train de gâcher ton don, t'es en train de servir à rien. Tu pourrais l'exploiter bien mieux. Et en fait, du coup, les gens se permettent de dire ça parce qu'ils savent que t'es un jardinier dans un jardin, en l'occurrence. Parce que la vie est plutôt paisible ici. Mais que le jour où il faudra aller en guerre, bah tu seras toujours un jardinier si tu t'entraînes pas à être un guerrier. Donc ça, c'est un gros problème. Il faut que tu apprennes à maîtriser ta capacité à être méchant. Je dis pas d'être méchant, évidemment, gratuitement avec les gens, pour rien, sans raison ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'il faut que tu sois quelqu'un de capable. Capable, c'est un mot très important. Il y a le grand frère d'un de mes meilleurs amis qui utilise souvent cette expression. Quand tu dis quelque chose, quand tu dis un truc de fou ou quand tu dis quelque chose comme ça un peu chelou, en mode le mec, il a grave confiance en lui, il dit « capable, capable ». Et c'est un mot qui est hyper important en vrai, c'est juste une expression à la base pour rigoler. Mais en vrai, ça veut dire quelque chose, capable. C'est-à-dire, je peux gérer cette situation, je peux assumer ce que je suis en train de dire. Et ça, les femmes, elles le ressentent énormément. C'est le premier trait du charisme, le premier trait de l'énergie. C'est ce que ce mec, il fait, ce qu'il dit, il le fait. Une femme, elle va beaucoup plus respecter si tu lui dis « non, je ne serai pas là ce soir » et qu'au final, elle te dit « ah, ok, bon, bah, j'aurais bien aimé que tu sois là, etc. S'il te plaît, sois là ». Si t'annules un truc qui était censé être important pour venir la voir, c'est turn off, mon gars, ça l'a éteinte. Et toi, tu comprends même pas pourquoi. Bah pourtant, j'ai fait les choses bien. Le nombre de gens gentils à qui ça arrive, bah pourtant, j'ai fait les choses bien. Ouais, mais toutes les meufs qui trompent leur mec, je peux te garantir, dans la majorité des cas, leur mec, il est gentil. Hein. C'est pas un bad boy, leur mec. Pourquoi elles trompent pas les bad boys? Pourquoi elles se font tromper par les bad boys et elles les trompent pas? Pourquoi elles trompent que les mecs gentils? Parce qu'ils font des compromis. Parce qu'ils leur montrent qu'ils savent pas maintenir des décisions. Tu vois? Comment est-ce que tu peux faire confiance à quelqu'un? Comment est-ce que tu peux confier ta vie à quelqu'un qui n'est pas capable de maintenir un rendez-vous important parce qu'il a envie de chill devant Netflix parce qu'on lui a dit viens chill? Il annule des rendez-vous pour aller chill ou pour sortir rien faire. Non, c'est pas sérieux. Il faut que tu montres
que ce que tu fais, c'est important, que tu as déjà tes priorités rangées dans ta tête. Parce que ça veut dire que tu sais même pas prioriser ta vie, en fait. C'est-à-dire que tu prends des choses, tu acceptes des rendez-vous, etc. Mais en vrai, c'est même pas des rendez-vous très importants. Ou alors, elle, en ne faisant rien, juste parce qu'elle est elle, elle est déjà plus importante. Non, c'est pas ça. Non, il faut que tu sois quelqu'un d'organisé, il faut que tu saches pourquoi tu prends tes propres décisions. Ça, c'est hyper important. Et les gens, ils peuvent pas dire de quelqu'un de charismatique, énergétique, musclé, riche, intelligent, qui sait prendre des décisions, qui est positif. Lui, il est comment ? Ah, ça va, il est gentil, il est pas méchant. Mais non. Mais non. Non, non, ça se passe jamais comme ça. Tu dis jamais de quelqu'un qui est aussi charismatique, qui a autant d'énergie dans son dos, qu'est-ce que tu penses de lui ? Il est pas méchant. Non. Pas méchant, c'est la dernière chose sur la liste, c'est quand t'as rien d'autre à dire. Donc c'est que t'amènes rien, t'inspires rien, tu vois. Y a personne à qui on a jamais dit ah, il est pas méchant. Ah ouais, t'as son numéro vite fait. Jamais une meuf elle a dit ah ouais, il est pas méchant. Ah bah vas-y, je vais prendre son numéro parce que là tu me l'as vendu. Non, c'est nul. C'est nul. La troisième chose, ça c'est quelque chose dont j'avais envie de parler depuis un moment, c'est le fait de pas avoir confiance en soi. L'absurdité de cette phrase, j'ai pas confiance en moi. On va revenir sur ce que c'est avoir confiance aux autres par exemple. Si t'as un ami à toi et que tu dis j'ai pas confiance en lui, tu vois, un mec avec qui tu traînes et tu dis ouais lui c'est un ami mais j'ai pas confiance en lui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu te dis que dans une situation où il a l'opportunité de te baiser, il te baisera. Ou que dans une situation difficile où tu vas avoir besoin de son aide, il te trahira. Donc si t'as pas confiance en toi, ça veut dire que tu penses que envers toi-même t'es ce genre de personne. C'est-à-dire que tu penses de toi-même, en cas de problème, je m'aiderai pas. Tu vois ? C'est bizarre quand même, non ? En cas de problème, je m'aiderai pas. En cas de problème, je vais me barrer. Bah non, mais le problème, il est à toi. Tu peux pas te barrer. Si, je vais me barrer. Aucune confiance en moi. Je peux pas avoir confiance en moi-même. S'il y a un problème, je me barre. Même si c'est moi le concerné, je me barre, tu vois. Si j'ai l'opportunité de me trahir moi-même, je me barre. Je vais reprendre encore une fois une citation de Eric Thomas, qui est un gars avec qui j'ai travaillé il y a plusieurs années, et qui disait quand on te dit, t'achètes un produit et t'as 30 jours de garantie. On dit satisfait ou remboursé, t'as 30 jours pour essayer le produit. Et s'il te va pas, eh ben tu peux le rembourser. Toi, t'essayes un produit, puis au final, il te satisfait pas. Tu retournes à la boutique et tu montes sur tes grands chevaux, tu dis « Ouais, mon argent, rends-moi mon argent. C'est n'importe quoi, t'as l'impression que tu t'es fait baiser, tu vois. » Tu dis « Je suis dans mon droit, tu me dois cet argent, ça fait moins de 30 jours, tu dois me rembourser. » Mais tu te demandes jamais des remboursements à toi-même quand tu t'es trahi toi-même. Tu vois ? Quand tu dis « Je vais faire ça, je vais aller à la salle, je vais faire 500 pompes aujourd'hui, je vais arrêter d'aller sur le hub. » Je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de manger des fast-food, je vais lire des livres, et tu le fais pas. Tu vas pas te regarder dans la glace toi-même en te disant rembourse-moi. Tu me dois quelque chose, tu me dois un pardon, ou tu me dois une action. Tu dois te rembourser. T'avais promis que tu ferais un truc, tu l'as pas fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Tu te demandes jamais de remboursement à toi-même. Donc comment est-ce que tu peux même manquer de confiance en toi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a un flingue, tu prends le flingue et tu tires une balle dans la tête comme ça, sans réfléchir, tu te trahis. Il se trahit le gars gratuitement, tout seul, quoi, sans raison, juste t'es un traître envers toi-même, quoi. Ça n'a aucune logique, ça n'a aucun sens. Pas avoir confiance en soi, c'est juste ton cerveau, t'es mal connecté, en fait. Alors, je comprends, toi tu te dis, oui, mais c'est pas ça ma définition de manque de confiance en soi. Oui, c'est pas ça ta définition, mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, les mots que t'emploies, ils veulent dire ça. Donc t'as beau dire, moi je dis ça pour dire autre chose, non, non, il n'y a pas de je dis ça pour dire autre chose. Ce que tu dis, ça veut dire ça. Je n'ai pas confiance en moi, ça veut dire je me trahirai à la première occasion. Et donc comment est-ce que tu vas faire pour survivre ? Tu vas compter sur les gens, c'est-à-dire que tu comptes sur les gens en gros pour survivre. Parce que toi-même, t'es ton propre traître. Si tu t'endors mais que t'es à moitié réveillé, si t'as qu'un seul œil qui s'endort, tu te voles ton bracelet, genre. Tu te voles ton bracelet bras gauche, tac, t'es endormi comme ça, tu te voles ton bracelet. Tu te réveilles, il est où mon bracelet ? Tu l'as mis sur le bras droit et tu ne changeras plus de bras. Non, c'est un délire. Ça veut dire que, ouais, non, j'ai pas confiance en moi, quoi. Je suis mon propre traître. Non, ça, c'est pas possible aussi. Il faut que tu comprennes. Là, c'est plus un truc psychologique pour le coup. Tout à l'heure, je parlais de physique. Là, c'est plus psychologique. Il faut que tu comprennes que si t'as pas confiance en toi, t'es mort, bon. T'es mort. Parce que les gens qui se font baiser à l'avenir, tu vois, moi qui suis très ambitieux par exemple, j'ai des projets pour faire énormément de grandes choses, j'ai envie d'avoir un grand impact sur le monde. Et potentiellement, si tu regardes ces vidéos, c'est que tu as aussi envie d'avoir un grand impact sur le monde. Peut-être que tu te sens pas capable de le faire aujourd'hui, peut-être que tu te dis c'est pas accessible, je vois pas encore comment je peux le faire exactement, mais tu as cette envie. Si tu avais le choix de dire j'ai un énorme impact positif sur le monde, eh ben tu pourrais le faire potentiellement si tu regardes ces vidéos. Et donc ce qu'il faut se dire, c'est que plus tu vas progresser, plus tu es une cible de ces gens-là. Tous les gens qui se sont fait trahir à haut niveau, ils se sont fait trahir par des gens à qui ils ne s'attendaient pas qu'ils allaient les trahir. Si toi-même, tu ne peux pas te défendre en cas de trahison, si toi-même, tu es ton propre traître, comment est-ce que tu vas survivre ? Le monde, il est dur.
Il est dur physiquement, il est dur psychologiquement, bien plus que physiquement. Je reprends encore une fois une citation qui me semblait de Les Brown, qui disait « Il y a beaucoup plus de gens qui ont du mal avec leur cerveau que de gens qui ont du mal avec leurs finances. Et la majorité des gens n'ont pas d'argent. » Pourquoi ? Parce que déjà, la majorité des gens qui n'ont pas d'argent ont un problème avec leur cerveau, un problème avec leur psychologie, mais même parmi les gens riches, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur psychologie, et le manque de confiance en soi, ça fait partie de ce problème-là. Pourquoi ? Parce que tu gères mal ta dopamine. Tu te prouves pas à toi-même, comme j'ai dit règle 1, tu te prouves pas à toi-même que tu es capable de faire des choses. Donc comment est-ce que tu peux avoir confiance en toi si toi-même, tu ne te vois pas comme quelque chose, comme quelqu'un qui est capable d'accomplir des choses ? Il faut que tu accomplisses des choses. Choisis quoi que ce soit et accomplis-le. Dis-toi, je vais faire un origami par jour cette semaine. Et fais-le. Dis-toi, fais les choses les plus simples, juste commence à accomplir des choses. Fais-toi une liste de tâches, de petites choses que tu faisais pas dans la vie de tous les jours et commence à les accomplir chaque jour. Tous les jours, dis-toi, qu'est-ce que je peux accomplir aujourd'hui? Je vais accomplir une marche de 5 minutes. Fais des choses très simples. Tu dis, oui, mais ça a pas d'impact sur le monde, c'est pas un changement, c'est pas quelque chose d'incroyable, c'est pas grave. L'important, c'est de créer cette habitude d'accomplissement. De se dire, je suis une personne qui accomplit. Et petit à petit, tu vas développer une énorme confiance. Et en fait, tout ce que je viens de résumer, c'est vraiment les traits du charisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le charisme, c'est tout simplement un reflet de comment tu te perçois toi-même. Qui est-ce que tu penses que tu es ? Quand tu rentres dans la pièce comme si tu possédais le bâtiment, les gens t'attribuent du charisme. Quand tu marches le torse bombé, musclé, focus, une belle énergie, bien habillé parce que tu te respectes, avec une bonne hygiène, soigné, chez toi c'est propre, même si tu n'y es pas, tu sais que chez toi c'est propre, tu vois. Et ben, les gens peuvent que te respecter parce que tu es le genre de personne à qui on a envie d'attribuer du respect. Et donc, tu as du charisme.